Si vous n'aviez pas la contrainte, journée romantique et journée russe. Voilà, donc nous, notre petite contribution à ce festival, c'est d'accueillir les nouveaux jurés du prix jeunesse du festival de Cabourg. Et donc, il y a dans la salle, là, les nouveaux jurés de cette année, 6 élèves, 2 secondes, un par option cinéma audiovisuel de 6 lycées différents. Et je vois un enseignant de Cherbourg qui fait partie de cette option-là, d'ailleurs. Bonjour Christophe. Et la tradition aussi dans le festival de Cabourg, c'est qu'effectivement ce jury soit accompagné de référents, marraines, parrains, voilà. Et donc cette année, il s'agit de Virginie Efira, que tout le monde reconnaît forcément, et on n'est pas l'air étonné de Virginie, et Lionel Bayer, qui est cinéaste, jeune réalisateur suisse, voilà, dont... Personne ne reconnaît forcément. Que personne ne... Je ne fais pas l'étonné. Et vous ne faites pas l'étonné. Très bien, tout va bien. Alors, comme on est dans un temps compté, qu'on a déjà pris un petit peu de retard, qu'ensuite, à ça, ils ont le train d'enfer de la vie d'un jury commence dès aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à 5h30, il faut qu'ils soient à Cabourg, devant un deuxième film déjà de la sélection qu'ils ont à découvrir. On va être bref, mais néanmoins, il était intéressant que justement Virginie et Lionel puissent accueillir ces jeunes gens un peu plus officiellement et pour la mise en route de ce jury. Je ne sais pas ce que c'est qu'accueillir officiellement, mais effectivement, ce film symbolise le début de notre collaboration toute cette semaine. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et que cette semaine va être riche d'expériences cinématographiques et autres, n'est-ce pas? Donc voilà, ravie de vous avoir rencontré la Yainer et puis de démarrer les hostilités. Et puis on a une position très enviable parce qu'on est dans un festival dans lequel on fait partie d'un jury, mais on ne va pas devoir juger, ce qui est quand même la chose la plus parfaite, parce qu'on va surtout en fait écouter, délibérer les membres du jury, voir les aiguilles, voir discuter avec elles, puisque ce n'est que des jeunes filles en fleurs, ici, proustiennes, pour ce festival, et donc c'est parfait. Je suis très impressionné par vos fauteuils, parce qu'en fait c'est très malin. Les couleurs, on a l'impression que c'est plein, la salle est pleine, c'est juste parce qu'en fait il y a des couleurs de fauteuils différents, donc même quand vous avez 3 spectateurs, on a l'impression que c'est plein. Il y en a un petit peu plus. D'accord, oui, ouais, c'est bien. C'est une idée à retenir, voilà. Donc on en a 3 à voir aujourd'hui de films, on va démarrer, non? Et aller au Festival des films romantiques ce week-end. Pour sa 24e édition, le Festival du film de Cabourg vous invite à célébrer les films romantiques et le cinéma russe du 9 au 13 juin.